Salut à tous, aujourd'hui je te parle de la chaîne RC Fada. On est sur YouTube, c'est une chaîne familiale, on roule sur notre petite piste avec des buggy M8M, le crawler, enfin tout ça. Je vais te montrer un petit peu les RC que tu pourras avoir roulé sur la chaîne. Allez, c'est parti, on va commencer par le plus gros. Donc là, tu pourras avoir roulé le X-Max, un 6 ou un 8S. Wow, ça se... On ne présente plus le X-Max. Hein. Ensuite, tu pourras avoir roulé la fameuse Lozi Moto, Promoto. Un régal, cette moto. Je ne regrette pas son achat. Après, quand moi je roule le X-Max, ma femme roule souvent le Skitter. Bon, ça, c'est un tank. Elle se régale. Voilà. Après, tu pourras avoir roulé le fameux petit Santon 4-2. Mais moi, je l'ai passé en 4-4. Un 4-4 3S. Bon, là j'ai bouffé la couronne, mais bon, c'était la couronne d'origine en plastique. Hein. Voilà. Lui, je le roule sur goudron et sur terre. Voilà. Ensuite, tu pourras avoir roulé aussi le Gorgon. Une bonne petite machine. C'est pas cher. J'ai passé un 3S. Hein. Voilà. Bon, moi, je le roule avec les carrosseries Alsace RC Body. Voilà. Parce que sinon, la carrosserie d'origine, c'est même pas la peine. Le Skitter, pareil. Je le roule avec. Carrosserie incassable. Sur la chaîne aussi, tu pourras avoir roulé des crawlers. Donc là, le FTX avec son croisement de pont légèrement abusé. Carrosserie que j'ai fait moi-même. Peinture aussi. Dans les crawlers un peu plus réalistes, tu pourras avoir roulé le K10. Voilà, Traxxas. Tu pourras avoir aussi roulé le DF4J. Un bon gros crawler. Celui-là, c'est celui de ma femme. Après, du coup, vu qu'on a une piste, on s'est fait une piste TT 8e, ben, tu pourras avoir roulé des pirates 8.6E. On a les deux mêmes. Et la famille, ils utilisent des corallis, genre le Python et le Radix. Voilà. Après, tu auras aussi des mini machines. Donc là, on vient de faire des F1 AliExpress, là. On les modifie à l'intérieur, on roule sur. Enfin, on fait des petits. Comme des petites courses d'F1. Voilà. Les mini-crawlers. J'ai une piste ici de mini-crawler. Ça, c'est le Axial. Tu pourras avoir aussi roulé mini-buggy. Ça, c'est le Lozi B. Une super machine. Vraiment solide, même si on dirait que c'est tout fait. Enfin, c'est tout fait, mais bon, ça résiste pas mal. Après, encore plus petit, tu pourras avoir roulé les Team Assault 1/28e. Bon, ça, on roule pas souvent avec. C'est quand il fait vraiment mauvais temps ou quand on n'a pas trop envie de sortir. Voilà. Après, qu'est-ce que tu pourras rouler? Ouais, des Piston 10e. Ça, c'est un châssis FTX Banzai Roller. Donc, je l'ai équipé en 2S avec carrosserie Tamiya Mercedes AMG que j'ai payé moi-même. Ensuite, tu pourras avoir du drift avec des MSTR MX. Donc ça, c'est la 2.5 et ça, c'est la 2.0 full OMG. Moteur, variateur, gyro OMG. On ne voit pas très très bien. Et le cerveau RFD. Voilà, les deux équipés pareil. Ensuite, tu pourras avoir un petit D12. Bon, ça, c'est un délire AliExpress aussi, mais ça drift. Voilà. Avec la petite déco à l'intérieur. Truc tout bête. Ça, c'est un délire. Mais c'est marrant à drifter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. S'il y a aussi un petit traceur. C'est bien marrant, ça, pour les gamins. Donc voilà, sur notre piste, tu pourras voir rouler tout ça. Sachant qu'on a une piste TT. Une piste TT. Un terrain de crawler avec des chemins et des obstacles en bois. On passe de bonnes journées dessus. Voilà pour la présentation de la chaîne RC Fada. Si tu connais pas, je t'invite à faire un petit tour. Et pourquoi pas t'abonner. Allez, à plus tard.